Cette unité de recherche est une unité de recherche Université de Rennes, INSERM, et on est hébergé par le CLCC. Donc on a trois acteurs principaux associés à cette découverte. Nous avons plus de 350 mètres carrés mis à disposition par le CLCC, avec une salle blanche dans laquelle nous cultivons nos cellules cancéreuses, une salle de biochimie dans laquelle on étudie les mécanismes moléculaires développés par ces cellules pour devenir cancéreuses, et puis on a bien entendu des bureaux pour accueillir les étudiants, les post-doctorants et les chercheurs. À l'heure actuelle, au SS, c'est plus de 50 personnes travaillant à temps plein sur les thématiques décrites que sont les cancers du sein, les cancers du poumon et les glioblastomes. On travaille en étroite collaboration avec les cliniciens, donc les chirurgiens donc, du CHU. On a les chirurgiens aussi du CLCC, on a les oncologues du CLCC et on a des chimistes de l'Université de Rennes 1 qui participent avec les biologistes à ce travail qui est de développer des molécules à visée thérapeutique.